Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Persona 3 Reload. Alors, on s'apprêtait à quitter Tartarus, mais avant ça, on avait un boss spécifique apparemment à faire dans une porte modulo. Alors, moi, j'étais parti du principe qu'il allait nous exploser, mais on verra bien. On va malgré tout remonter un petit peu CPM. Est-ce que j'ai des trucs qui sont pas trop rares à utiliser? Ouah, bof, hein. C'est pas la fête. C'est pas la fête du tout. On va utiliser ça malgré tout. Hop. Sur Yukari aussi. Est-ce qu'on part avec cette équipe-là? Oui, bon, on va bien voir. Soyons fous. Ouais. On va au 92. Il me semblait que c'était au 91. Du coup, ça m'inquiète un petit peu, ça. Ah non, c'est au 91 qu'il faut aller. Ah, t'aurais pu m'envoyer au 91 là. En tout cas, tu me fais perdre du temps. Et du coup, on verra bien ce que ça va donner. Bah, peut-être que je vais devoir faire plus d'épisodes que ça. Non, non, il y avait bien un téléporteur au 91. Ouais. Regardez, il y a une porte monade. Et derrière, un boss. On verra bien si on lui survit ou pas. En tout cas, c'est par là-bas. Enfin, j'ai vraiment pas mis beaucoup de MP. Hein. J'espère que ça suffira. On verra bien. En tout cas, ce sera déjà un premier test. Alors, voyons voir ce qu'il se passe. C'est pas comme les autres portes monades, apparemment. Elle est un peu spécifique, celle-ci. En tout cas, c'est ce que me disait Fuka. D'accord, mais il est où ton boss? Il est planqué? Parce qu'il n'y a personne là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, en plus, on perd... On voit rien avec ce design de pièce. Bah tu m'as arnaqué, non? Elle m'aurait pas arnaqué. Oh là, ça donne le vertige. La petite zone ici, ça me donne le vertige. Je suis pas bien. Est-ce qu'il faudrait trafiquer? Bah non, ça va pas l'air. Bah y a personne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, c'est pas un escalier ça par hasard? Si, c'est un escalier, mais on peut pas le prendre. Ce design de pièce, il est vraiment horrible. Ouais, on peut pas le prendre. Bah, me v'là bien perdu, hein, frère. On va quand même essayer de vraiment bien faire le tour pour être sûr. On n'a pas raté des choses, j'en parle là. Ah! Ah oui, c'était par là, je crois. Ou alors, non, là, c'est ma porte d'entrée. Je... ah, je sais plus, non. Ça a pas l'air. Encore une porte? Même derrière la première, ce chemin est très long. C'est un agacement que je n'ai encore jamais vu. Un agencement, pardon. Agacement, c'est pour moi. Avancez prudemment. On va faire ce qu'on peut. Hein. Ok, c'est genre des mini-labyrinthes sans map, super. Super, mes amis, super. Tu es dans une partie plus profonde du passage maintenant. Il est séparé par des portes et descend encore plus profondément. Fais attention. Ah, pour le moment, on n'a rien croisé. Donc, ah, bah si, il y a un ennemi. Est-ce que c'est toi la super ombre? Oh non! Je sens une onde plus loin. Elle n'a pas l'air très forte. Elle me paraît plutôt faible par rapport aux autres ombres cachées derrière ces portes. J'ai un mauvais pressentiment. Tenez-vous prêt si vous comptez l'affronter. Bah oui. Ah. Oui, 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 on y va. À voir ce que ça cache. Parce que pour le moment, la grosse nouveauté, c'est qu'il y avait un chemin plus long pour y arriver. Il y a forcément autre chose. Maya lâche. Hé, Maya. Est-ce que ce serait pas notre... notre ermite? Ah, peut-être bien. Bon, en tout cas, j'ai aucune idée. Mais elle a augmenté sa magie. Comment on peut gérer ça, nous? On va peut-être tenter un Koa tout de suite, en fait. Ça permettra de voir si elle est sensible à la lumière. Non. Bon, on va tenter déjà les projectiles. Une détresse, ça peut servir. Bon, c'est encore des projectiles, ça. Mais grâce à la détresse, on a pu faire un critique. Et ça nous permet de faire un assaut général. C'est super hein, la détresse, franchement. Dit comme ça fait bizarre hein, dans le jeu.
On la vit pas trop. On va tenter les dégâts coupants. Non. Mais Guido, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ah bah ouais, mais tu m'as tué deux personnages là, c'est pas rigolo. Oh, ça va être compliqué cette histoire. J'ai pas de TRJ nulle part. Est-ce que j'ai des quoi ressusciter? Ou alors il est trop fort pour moi. Je regarde si j'ai pas un Ricarme qui traîne. Dia. Ricarme. Mais bon, vu dans quel état on est, et on se rappelle que si le personnage principal tombe, ben c'est game over. Du coup là, soit je ressuscite et c'est risqué parce que si je me reprends un coup encore, ben je vais mourir. Non, j'ai plutôt soigné. Comme ça, elle pourra débloquer sa théurgie. Ah, ça... Bon, ça a pas changé grand chose, hein, vu le point de vie que j'ai en vrai. Toi, tu nous fais quoi? Bah, essaye du feu. Oh, non, je... Ah, j'hésite. Si, allez, un agi à là-haut. Oh, ça lui a rien fait. Il me répond avec de la glace. Oh, je pensais que j'étais faible face à ça. On refait un Ricarme. Wow. Ta théurgie, c'est des dégâts de vent, mais je préférais que tu soignes tout le monde pour le moment. Ah, il m'a fait trop mal son sang, en fait. On n'est même pas encore remis. Alors, qu'est-ce que tu peux faire de beau, ma petite dame? Frappe éclair, mais ça te fait perdre des points de vie. Un allié, malheureusement, c'est que un allié. Ah, non, c'est les malus de stats. Ouais, y a rien de fou, hein. Pareil, ça c'est pour un allié. En l'occurrence, là, ça me sert à rien. On va quand même tenter de la frapper éclair pour voir. Même si j'y crois pas, hein. Ouais, c'est tout pourri. Ok, très bien. Alors. On lui a pas trouvé de faiblesse. Elle n'en a peut-être pas. Attendez, je peux faire une analyse complète pour 35 PC. On va faire ça, hein. Ouais, c'est ça, elle a pas de faiblesse du tout. Bah du coup ça sert à rien de gaspiller mes PM ou mes PV à faire des super attaques. On va y aller en direct. Mazunga, aïe 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 aïe. Oh là là, triple faiblesse. Et non, arrête. Ok. Personne n'est mort. Même ça a bien défoncé. Et en plus on a tous une défense qui est abaissée. Est-ce que tu as du soin, mon petit gars? Pour un... uniquement... petit soin... Ah, un média ici. On va faire un média. Ah, les deux sont assommés par contre. Non, ça va aller. Tu vas l'utiliser ta théurgie, hein, écoute. On va voir ce que ça peut donner. Elle est à peu près à 55% de sa vie, donc c'est... jouable. Il faut pas qu'elle me fasse trop son attaque qui tue tout le monde là, parce que bon, c'est super dangereux. Et là, comme on n'est pas soigné au max, bon, en fait, c'est game over quasi garanti si je le fais. Est-ce que t'as des soins? T'as un diorama? On va faire diorama sur lui. Par sécurité. Voilà. C'est un peu du gâchis, mais bon. Bah écoute, vas-y, hein, en direct. Concentré. Donc elle a augmenté son attaque, très bien. Je dis elle parce qu'elle s'appelle Maya. Et que du coup je pense que c'est un parallèle avec l'ermite, le personnage avec lequel on joue le dimanche. Du coup toi, t'es un petit peu mieux, t'as quasiment plus de PM. Bon écoute, attaque. Ce serait bien qu'elle arrive à mettre une... Faudrait soigner aussi. On va quand même essayer de mettre détresse. Non. Oui, on sait. Merci. Merci, Luca. Tu peux rien me faire de plus, hein, toi. Bah écoute, attaque. Hein. Oh non, elle a raté. Bon, ça c'est nul. Ah, lui aussi, il a raté. Mais Guido, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est...
Ouais bah voilà, game over. Ah c'est dommage, c'était jouable hein. C'était jouable. Bon, on va passer tout ça. De toute façon, on est mort. Et le jeu n'est pas, ne te pardonne pas quand tu meurs. Donc, on peut baisser le niveau de difficulté. Non, ça va aller. Recommencer le combat. Je suis bien tenté de recommencer, en vrai. Maintenant, on sait qu'elle a pas de faiblesse. On peut y aller tranquillement, si on peut dire. C'est dommage que j'ai pas de quoi booster tout le monde, par contre. Les chances de critique pendant 3 tours, mais c'est un allié aussi. Régénération 1, c'est avec les combats, c'est ça. Hein. Ah non, à chaque tour, oh, c'est 2%. C'est pas mal sur des combats qui traînent en longueur, mais là, toujours un allié ici. Un ennemi, on s'en fiche un peu. Un allié. Un allié aussi. Ça c'est au début du combat. Annulation détresse, on sera pas embêté. Boost poison et sort. Ah, bof. Ok. Ouais, je vois rien qui peut beaucoup aider. Hein. Ah ça peut-être. Voilà. En même temps, si je pouvais baisser ses stats à l'ennemi, ce serait pas si mal. Tu fais un média, toi? Ouais, fais un média. Bon, désolé, hein, j'ai relancé le combat, mais... T'es pas si loin de l'abattre quand même, donc... Et encore, on avait eu de la chance, parce qu'on avait réussi à lui faire un assaut. Tandis que là, on l'a pas. Moi, j'étais intéressé... Je pense pas que ça passe, hein, ça. Charme, c'est sûr que ça passe pas. Peur, je pense pas non plus. On le tente quand même. On sait jamais. Ça bloque, même. Le fameux Megiddo qui fait tomber tout le monde. Et personne n'est mort. Bien joué. On soignera avec Anne. Vaut mieux balancer tout de suite la théurgie. Comme ça, on pourra la remonter derrière. Ah, ça va être compliqué quand même, hein. On est un petit peu trop faible. Ah, ça peut passer, mais bon. Ça peut passer aussi si elle utilise ce genre de truc-là. Hop. Ça, c'est toujours un allié. Voilà, ce genre de truc-là. Bon, c'est 50 points de vie, c'est pas beaucoup, mais en vrai... toi t'as vraiment rien hein. Si t'as ça. La défense pendant 3 tours. Bon, on va te faire attaquer quand même. Ah, ça lui fait 0 dégâts hein. Et toi par contre je voudrais que tu soignes. Alors c'est peut-être plus intéressant de faire soigner Yukari, mais bon. Là-haut, ah, c'est pas une bonne personne à qui faire ça, mon petit gars. Elle va soigner. Ça montrera un petit peu sa théurgie. Oh, vraiment pas beaucoup. Ah, si, ça va. Ah, il va me falloir 3 tours de soins. Bah, attaque. Hein. Si c'est pas foufou. Et toi, pour le coup, tu vas attaquer aussi. Zyonga. Oh, il est plus sympa ce coup-ci. Ah, j'ai dit ça. Ah non, je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. Ok, ça baisse nos défenses. On va refaire un média. Allez, encore un tour et tu peux faire ta théurgie. Toi. L'attaque, la défense. Annule les malus de stats. On va retirer le malus de défense. Je me suis chopé sur tout le monde. Fais du bien. Toi. Bon, bah, tape.
Ouais. Qu'est-ce qui pourrait faire beaucoup de critiques? Je vais mettre ça malgré tout. Sur Aegis. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Faut avouer qu'un critique nous ferait beaucoup de bien. Par contre, il est plus sympa sur ce combat-là. Bon, Yukari est gelé, hein. Ça c'est pas très sympa. Mais... Est-ce que j'ai un anti-gel? Il n'y a pas gel. Ah si, gel. Oh, si on va utiliser ça tout de suite, je préfère qu'elle ait son toile. Toi tu tapes. Tranquillement. Toi tu tapes aussi. Attention, elle augmente son attaque. Et là pour le coup, plutôt que de soigner, tu vas essayer d'attaquer pour lui mettre une détresse si possible. Ce serait cool. Non, c'est pas passé. Le critique il passe pas non plus. Ah, non, j'ai cru que c'était un critique, mais non. Bah, ça a pas fait des merveilles, hein. J'ai augmenté ma propre défense au cas où, histoire de pas tomber quand elle va attaquer. Ah mais Guido évidemment pour tuer plein de monde. Yukari qui tombe, ça c'est pas une bonne chose. Oh non, bon, ça y est, ils vont rater comme des nanars là. Alors toi tu vas peut-être utiliser un soin pour tout le monde. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Ouais, c'est vraiment pas beaucoup. Toi, tu vas utiliser la résurrection, mais faut pas que je meure au prochain tour. Ça va être compliqué, hein. Ouais, ça va être très compliqué. Allez. Garula, sur qui? Sur elle. Ok, ça passe. Bah, tu peux nous faire... Est-ce qu'on a un... Non, on n'a pas de Mediarama. Tant pis, on va faire au Media. Ça a débloqué sa tigurgie. Et mon équipe n'est pas en bon état. Ah mince. Bon, ça a servi à rien. Le boost de critique, ça a vraiment été inutile. On va perdre aussi un objet. Pareil, hein. Sans PV à tous les membres du groupe. Allez hop. Ça là, on est un peu requinqué. Et on peut taper. Hop, si tu tapes. Attention, hein. Elle rebooste son attaque. Ah, on n'avait pas la théurgie, je pensais qu'on l'avait. Mince, j'ai fait le bébête. Bon, tant pis. Mais non, on rate pas. Allez, faut se concentrer. On n'est plus si loin. Bon, sa défense, elle est rebaissée. Il est presque à court de PM. On va plutôt les garder pour les cas d'urgence. Vas-y, tape. Hein. Mais Guido, ah, j'espère que je vais pas le regretter. Ok, ça passe. Tu peux soigner tout le monde. Je pense qu'on l'a. Faut faire attention quand même, mais bon. Ok, elle c'est bon. Elle, tu peux utiliser à nouveau. C'était. On doit en avoir 9, c'est ça. Voilà. Là, on peut tanker les petites attaques. Toi, tu peux taper. Par contre, j'ai l'impression que ce sera pas le seul boss. Bah vas-y, tape un peu. On aura fait 0 critique. Ok. Bon, alors toi, prends-toi ça. Et ça devrait l'achever. J'espère en tout cas. Bah ça fait 20 minutes qu'on y est. Hein.
Mais bon, je pouvais pas le laisser comme ça. J'ai un peu peur de la suite. Tout le monde est en vie, donc tout le monde a l'XP. Oh, le choix ici va m'intéresser. Non, je m'en fiche. L'argent, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche. Bon, à booster l'XP, hein. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? 2200. Bon, c'est pas si fou, ça. Même pas de level up. Merci. Pfiou. Ah, je suis bien content que ce soit fini. Je pensais que ça allait être du gâteau, mais je me suis bien gouré. Elle a essayé de nous prendre par surprise, hein. Bah, il en faut plus pour nous vaincre. Bref, un trésor nous attend, pas vrai? Allez, va récupérer notre butin. Oh non. Je pense qu'il y a un coffre plus loin, mais je détecte une présence ennemie aussi. Ouais, ben moi c'est ce que je vois là, mais en fait c'est le juste le lampadaire. Si vous êtes épuisé après avoir combattu, n'allez pas vous surmener, reposez-vous. Non, non, on va continuer. Mais on va utiliser des items. Il y a le petit récupération auto, mais il me fait peur. Allez, on va tenter. Non, j'ai peur qu'il me remonte tous les MP. Donc, menu, objet. Alors, on va utiliser les trucs un peu pourris pour la vie. Ça, on en a plein, c'est pas gênant. Et ensuite, on va se redonner des PM parce qu'on a encore quelqu'un à abattre au moins un. Ouais, ça, c'est des petites boissons qui donnent pas beaucoup. Ah, c'est pour tout le monde. Ah oui, c'est le pack 4 biotique. Bah, du coup, pas ça. Ça, c'est trop bien, mais il faut les garder. Ah, j'ai vraiment pas grand-chose hein, pour monter les PC. Je regarde si j'en ai pas d'autres qui sont planqués. Ah si, il y en a là. Bah voilà, ça, c'est petit, mais c'est pas mal. Voilà, voilà, on est requinqué. On est prêt à l'assaut. Bon, on était un peu juste hein, quand même sur celui-ci. Il a été plus sympa sur le deuxième combat. Et il y a quand même des coffres. On a toujours pas de plan. Mais... un sabre de glace. Bah, on n'a pas un Mitsu avec nous. Souvenir 2. Ok. Chaque ombre a ses caractéristiques uniques. Les plus hostiles sont extrêmement fortes et ne peuvent être contrôlées ici. Nous avons bâti la cathédrale du temps pour ne pas avoir à éliminer des espèces humaines si uniques. Oui, bah moi j'élimine tout. Et oh. Et un maillot de Gekkoukan qui est juste un costume. Bah, regardez vite fait. Pour équiper l'épée. Ah, je peux équiper que les gens que j'ai avec moi. Donc ça marchera pas. Lui, c'est pas la même chose. Et toi non plus, hein, je pense. Non. C'est dommage qu'on puisse pas équiper ceux qui sont pas dans l'équipe là. Ça m'aurait bien. Je risque de l'oublier en fait. Maillot de Gekkoukan ici, tenue de sport scolaire pour Anne. Facile en pire. Ok, super. J'ai pas envie de mettre une tenue de sport. Hein. Ah, la porte elle est ici. On a pris tous les coffres. Bon, écoutez, on poursuit. Hein. Encore un épisode qui n'est pas tout à fait ce que j'avais prévu, mais bon, on verra si on a que deux. J'aimerais bien pouvoir sauvegarder ça, par contre je ne peux pas. Du coup si je me fais poutrer là, on va être embêté. Bon, l'ombre elle est là-bas. Regardez s'il n'y a pas des trucs planqués malgré tout. Ça a pas l'air hein. Bon, bah écoutez, on y croit hein. Oui, merci de ton... Elle est utile hein, quand même. Ah, il y en a plusieurs là. Il y a trois types, bien sûr, on n'en connaît aucun. Évidemment. Pardon. Bah, quand on connaît rien, on fait un magarou. Ouais, ils ont pas l'air si forts que ça. Par contre, il y en a aucun qui s'est fait poutrer par le magarou. Ok. Ah non. Ah, dégâts physiques, ça va. Ah, ça va. Ça peut être gênant quand même. Du coup, on peut pas les taper. On peut pas le taper lui en physique en tout cas. Pas pour le moment. Ça renvoie les dégâts. Mais nous, on va essayer de faire un Makoa. Ça devrait passer. Ah, il résiste à tout, hein, lui. Aïe, ça c'est mauvais pour moi.
Aïe aïe aïe. Je pense qu'il lui faut de l'ombre sur le... l'espèce de mage là tout à droite. Ok, bon. Bah ça démarre pas très bien. Bon, on va taper autre chose du coup, vu que lui je peux pas le taper en physique. Tiens, tape-le lui. Bon, sans trop de surprise. Pas très très sensible. On va tenter un Maragi ici. Ah mince. Alors il y a un blocage et un résistance. L'autre, lui, il est vraiment résistant à tout, j'ai l'impression. Lui. Et... bah sûrement sauf le physique, mais maintenant qu'il renvoie les dégâts physiques. Bien roulé. On va faire un soin. Aïe. Voilà. Ça renvoie la magie sur lui. Parfait, je peux plus utiliser de magie de zone maintenant. Et Aegis est gelé. Bah, c'est super. Franchement, je suis content d'être venu. Alors, du coup, nous, on va soigner parce que... je sais pas... allez, non, on va garder le soin pour l'autre. Par contre, tu peux peut-être libérer... non, il n'y a pas gel sur le Patra. Hein, parce que j'ai un truc pour gel, moi. Ah, j'ai pas l'impression. Non, c'est du soin, du soin. Non, j'ai rien pour retirer gel. Ok, bon. Du coup, on peut taper que en physique sur lui. Hein. On va le faire. Et bien sûr, il résiste, forcément. Ah, mais non. On va se faire poutrer, en vrai. Calme, calme. Aïe, 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 aïe. Oh, mais quelle catastrophe. Non, très très mauvais état. Alors. Ouais, je le sens plutôt mal, je vous avouerai. Bien sûr, il est électrocuté, il joue pas, l'électrocuté le joue pas. C'était trop simple. Attaque à feu. Le type fait une super attaque sur elle qui est au sol. Heureusement que je l'ai soigné. Eh ben c'est pas la fête, hein. C'est pas la fête. Est-ce que tu vas faire un soin de zone, toi? Allez, on se concentre. Et non, arrête-toi. Oh, c'est pas vrai. Et comme je le disais, on n'a pas sauvegardé entre les deux boss, on pouvait pas, du coup. Ah bah ça y est, elle est morte. Génial. Génial. Un baume de vie. Hop, allez. On se laisse pas abattre si facilement. Même si là on a du mal à les toucher. Hein, tellement... bah, tellement on peut rien faire en fait. En plus ces espèces de boucliers ils restent tout le long du combat. Donc on peut vraiment... lui, le taper que sur ses résistances. C'est pour ça qu'il faudrait une théurgie. Et lui, le taper qu'en physique, alors que bah il est résistant en physique. Donc c'est pareil. Et lui, bah je sais pas. Donc on peut plus faire de sort de zone, en vrai. Tout simplement. Et en plus, il bloque le feu, évidemment. Je bête. Hop. Si tu pouvais soigner tout le monde... on va devoir jouer avec les théurgies. Hein. Qu'est-ce que tu fais, toi? Précision. Accru, lui, gel, je me paye. Pénible, hein, je l'aime pas du tout ce combat. Je l'aime pas parce qu'en fait, il n'y a pas de faille. Et du coup, bah, t'es juste en train de taper sur des résistances, de taper sur là où ça fait le moins de dégâts. Il n'y a pas moyen de juste virer ces trucs. Du coup, c'est juste désagréable. Tu subis, c'est tout. Alors, sa théurgie, elle demande comment à lui?
Après avoir invoqué une persona, son pouvoir intérieur augmente petit à petit. Ok. Ça augmente tout seul. Très bien. On va faire un diorama sur Junpei. On est vraiment juste en train de survivre là, on leur fait zéro dégâts. Lui, casse les pieds. Ouais, super. Ah, elle est là, sa théurgie. Ah bah, sur elle. Carrément. Hop. Résistance et ordre pour vos armements ignorés. Ah bah, c'est sur tout le monde, c'est parfait. Allez, on y croit. Pas mal. Pas mal, du coup. Oh, elle a eu un encore. Oh, les pauvres. Ah, par contre, l'encore, il esquive pas les... Ouais, mais tu vas te faire... Ah bah voilà, elle a gagné. J'ai pas tout suivi, mais bon. On s'est quand même fait renvoyer nos dégâts au deuxième tour, sur le l'espèce de mage. Alors du coup... Et ils veulent pas me donner un soin au lieu de cette saleté. On va encore booster l'XP. Là c'est déjà mieux. Ok. Pas de level up. Merci. Le groupe que nous venons juste de vaincre était constitué d'ombres. Chacune excellant dans une compétence précise. Moi par exemple j'excelle dans le maniement des armes à feu. Mais si je suppose que je ne t'apprends rien, même si je suppose que je ne t'apprends rien, quoi qu'il en soit, continuons. On dirait bien que vous avez vaincu toutes les ombres de ce niveau. Ah! Tout ce qu'il reste à faire, c'est d'ouvrir ce coffre. Vas-y. Cool. Cool. Ça y est, on a fini. Bon, c'était tendu, hein. Mais Aegis a sauvé le game, carrément. Avec sa théurgie. Ça n'a pas été tout repos, mais nous avons trouvé quelque chose de familier derrière cet ennemi imposant. Ça a l'air difficile à ouvrir. Tu vas y arriver? Ce coffre n'est pas verrouillé. Hein? Tu peux l'ouvrir comme ça? Ça me paraît louche. Nous sommes dans une zone plutôt irrégulière. Je me demande si c'est une caractéristique spéciale de cet endroit. Je ne détecte aucun danger, donc vas-y, tu peux y jeter un œil à ce que ça contient. Ah, je suis méfiant quand même, hein, moi. Tarot de la tempérance, livre de Samech. La carte de l'arcane majeur de la tempérance semble désormais pouvoir apparaître durant le tirage de cartes. Ah, on a débloqué une nouvelle carte de tarot, très bien. La tempérance, à votre prochaine activité quotidienne, votre savoir, votre courage et votre charme augmenteront plus que d'habitude pour cette journée. Ok. En obtenant l'objet livre de Samech, vous pouvez obtenir plus une carte des arcanes majeures chaque jour. Ok. Une carte de tarot? Elle est semblable à celle que tu possèdes déjà, chef. Elle a aussi réagi avec l'entrée, donc il y a peut-être un lien. Il est possible que cette carte ait un effet sur d'autres portes, d'ailleurs. Ok. On dirait que c'est un cul-de-sac. Vous voulez rentrer tout de suite? Ouais. Ouais. Bah écoutez... ah oui, tu me remets au niveau, toi. Ah, je peux la reprendre, la porte? J'ai pas tout compris. Apparemment, on peut repasser dedans, aller au point le plus éloigné. Écoutez, j'essaie de comprendre, parce que là, c'est bizarre. La porte n'est pas fermée. Peut-être que je pouvais continuer à explorer, en fait. Ah, c'est peut-être une espèce d'autre labyrinthe, et en vrai, il y a des étages et tout. Parce que là, nous, on a ouvert ce coffre ici. Ici, il y a l'air de rien avoir. Non, ça a l'air d'être fini, ici. Et je pense pas qu'il y aurait autre chose, parce qu'on l'aurait déjà vu. Bah non, alors tu dis n'importe quoi. Pourquoi je peux retourner là? C'est étrange. Bon, écoutez, on va sortir du Tartarus, hein. Moi, je vous l'avais dit, on fait juste un boss et on sort. Bah écoutez, on va quand même sortir. Mais bon, on a pas fait qu'un boss. Faut que je retrouve le chemin, par contre, du coup. Loin d'être évident, c'est là-bas. C'est super bizarre, hein, quand même. Ouais, ça nous remet ici.
Ouah, peut-être que plus tard il y aura encore des niveaux derrière, je ne sais pas trop. C'est pas super clair, hein. Par contre, ce qui m'a surpris sur la carte de tarot, c'est que ça me permet d'améliorer mes boosts de stats. Du coup, dans la vraie vie, quoi. Et du coup, je me demande si on peut pas s'en servir à la voyante. Qui nous permet de habituellement donner des buffs pour le Tartarus. Ce qui serait plutôt cool en vrai. Ça coûterait de l'argent, j'imagine, mais on s'en fiche. On va y arriver, hein. Ah, ça a l'air infini ce truc. Et ok. Bon. On s'en est sorti. On a quand même eu un game over, mais bon, c'est pas grave. On a rodé. On a vidé le Tartarus là. On est arrivé jusqu'au bout. On va être tranquille un petit moment, je pense. Juste vérifier un truc avec Elisabeth. Alors, à propos des requêtes. Ah ah, traverse le passage Monade, il y en avait bien une. À éliminer toutes les ombres qui rôdent dans le passage Monade du 91e étage de Yabacha, la 3e section. Ah, c'est fait. Beau travail, ma requête a été satisfaite. Le passage Monade que tu as exploré semble légèrement différent des portes auxquelles tu es habitué. De l'autre côté se trouvent également de puissantes ombres. Mais ce passage semble mener au cœur des profondeurs, et donc contenir des ombres plus puissantes encore. En contrepartie, les récompenses que tu en tires sont bien plus importantes. En éliminant tous les ombres de ce passage, tu obtiendras un nouvel arcane majeur, ce qui en retour t'aidera à évoluer. Je ne t'obligerai pas à effectuer cette tâche, mais j'espère que tu continueras à emprunter ces passages dès que tu en auras l'occasion. Oui, j'avoue que c'était un peu long. Et j'ai gagné une épée noire. Et on a le document 4. 40 000 yens, ok. Bon. Il n'y a rien de plus à prendre. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est les 50 fusions. Nourrir le chat, c'est vrai qu'il faut pas qu'on l'oublie, lui. Goûter un taiyaki frais. Il faudra que je trouve où acheter ça. Fusion l'homme phalène pour l'ermite. Ok, homme phalène. Avec la compétence agit là-haut en plus, c'est précis. Une personne avec la compétence tir torrentiel. Et un médicament puissant, c'est vrai qu'on l'a pas encore trouvé ça. Non, c'est bon. Ok, allez, on s'en va. Du coup, désolé pour cet enchaînement. Cet enchaînement d'épisodes Tartarus, hein. C'est vrai que c'était un peu long, je vous l'accorde. Mais bon, bah, on a bien avancé là, ça fait du bien. On va pouvoir reprendre le cours de l'histoire. Et là, le lendemain, ils vont nous dire « Hey, il y a quelqu'un enfermé dans Tartarus, faut aller le sauver. » Ah oui, c'est vrai, l'entraînement spécial d'athlétisme continue aujourd'hui, il est temps de partir. On aura fait des boss, hein. Isegeko Okan, terrain d'entraînement. Nous nous sommes entraînés toute la journée pour le tournoi du 2 août. Mon corps semble tout léger, mais je n'ai pas fait un très bon temps. Ah, mince. Peut-être qu'il n'a pas d'assez bonnes stats, je ne sais pas. Ah, c'est ce qu'on a acheté au téléachat, un portefeuille de marque, un parfum, c'est deux cadeaux. Te revoilà. Le syndrome apathique se répand de nouveau. Les gens semblent s'être calmés malgré les médias. Mais ça va poser un problème si nous n'y mettons pas un terme. Nous devons encore vaincre au moins 6 ombres, à commencer par celle de la prochaine pleine lune. Si le nombre d'égarés continue d'augmenter, ce sera le chaos en vie. Ouais, t'es déjà clair, t'exagères, hein. Enfin, peut-être pas. Ok. Ah oui, c'est vrai, lui nous avait rejoint, j'avais oublié. Votre candidature a été... ok, c'est Tanaka. On va peut-être passer du temps avec lui, du coup. Il me faudra une persona du diable. Nous avons été très actifs ce mois-ci.
conséquent, j'ai l'impression que nous ne sommes pas allés à Tartarus assez souvent. Tu rigoles, je viens d'y passer 3 jours. Pense à bien te préparer avant la prochaine pleine lune. Oh, je pense qu'on n'est pas trop mal là. Même si on a un peu eu du mal sur les boss de fin. Ils étaient optionnels en plus. Hé, Sanada, tu portes toujours ces gants quand tu te bats, pas vrai? J'ai entendu dire que tu étais imbattable quand tu les portais. Ouais. C'est rien d'impressionnant, crois-moi. L'autre dit avec ses gants de boxe. Ah, ne me dis pas que c'est mal. Mais quand un gamin te fixe du regard, ça peut être gênant. Ouais. Je peux t'aider? Non, je veux juste parler avec toi. Tu sais l'accident qui a eu lieu suite aux expériences de Kirijo Group? Apparemment, cet accident a eu lieu parce qu'ils ont essayé de rassembler des ombres. Cela signifierait-il que les ombres existaient avant l'apparition de Tartarus et de leur son? Dans ce cas, depuis combien de temps existent-elles? Ah ça, mystère et boule de gomme. Ah, une ville plongée dans le chaos, on se croirait dans un film. Mais le plus flippant, c'est que ça peut vraiment arriver. On est les seuls à pouvoir faire quelque chose. Je combattrai avec des armes à feu. Mais je n'ai pas d'équipement lourd et ma précision et les dégâts que j'inflige sont moyens. D'un autre côté, je suis plutôt stable. Je serai une bonne recommandation pour les débutants. D'accord. Bah, elle nous a bien aidé quand même à la fin du dernier combat. Alors je pense pas... Non, on va pas passer du temps avec Yukari. Ouais, parce qu'il faudrait que j'avance le rang social avec Tanaka. Alors du coup, en lien social, Tanaka bien sûr. Tartarus, il y en a qui ont vaincu des boss, mais ça c'est bon, c'est fait. Et donc, je regarde avec Yukari. Regardez un DVD avec Yukari. Ouais, je les connais, hein, les filous. Ils ont vu ce matin un petit film à deux. Hein. Bah ouais. Ah là là. Donc, du coup. Je sais pas pourquoi il me le met encore. Ah, c'est parce que je l'ai pas lu. Bon, ça, on va pas le faire maintenant. Nous, on va aller au centre commercial Polonia. Et avant ça, il faut que je vérifie que j'ai les bonnes personnes. D'ailleurs, je vais peut-être voir si je peux pas faire des fusions. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée. Hein. Elle voulait un homme Falen avec Aguilao et... je sais plus quoi l'autre. Personne avec tir torrentiel. Je le garde à l'esprit au cas où. Donc c'est bon. Et on rentre. On va voir ce qu'on peut fusionner pour avoir des nouvelles personnes là aussi. Avec ce qu'on a pu récupérer. Et on va les enregistrer surtout. Fusionner. Elle m'a même pas donné un petit cadeau ce coup-ci. Un peu triste. Enregistrer. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, fusion. Fusion spéciale. Alors, ok, il n'y a rien de spécifique. On peut faire elle maintenant. On peut faire Floros. Très bien, ça on les a déjà. T'es pas loin du Black Frost, hein. On est à 2 levels du Black Frost. Et ici, recherche de fusion. Alors je vais voir si j'ai Homme Falen déjà. C'était Ermite, logiquement, si je me souviens bien. On peut faire des maisons de Dieu. Ça, ça pourrait être intéressant. Parce qu'il m'en faut un. Je suis passé au-dessus, hein, ermite. Le pape, l'amoureux, chariot, l'ermite. Ah, je peux faire que Naga. Ok, donc il n'y a pas un Falen. Regarde au cas où j'en vois un. Hein. Mais bon, j'y crois moyennement. Sati, on n'a pas Sati. Yaxini, Kushimitama, Loa. Ah, là, il y en a pas mal que j'ai pas. Sati, Sandana, Tot et Loa encore. Loa, Genbu, Sarasvati, Tot, Yaxini, Mitras, Jikokuten, Seadanda, Jikokuten encore et Vertu.
Bah, on va faire un Eligor ici déjà avec elle. Faudra qu'on la récupère à nouveau après. Bonne question. Ça c'est sympa. Bon, ça bof un peu moins. Je vais prendre un média. Un diorama. On va prendre l'Otora Kukach. Ouais. Voilà, on a Eligor. Ouais, bien sûr, il gagne des levels, forcément. Ok, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire avec toi? Oh, il est joli celui-ci. Wakinian, le soleil. On n'a pas encore ce lien social, le soleil. Bah écoutez, on va le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est avec qui que j'obtiens ça? Avec Narcisse? Ah ouais. Je fais un peu le tour autour. Bon, on n'a pas une phalène, hein, par contre. Plutôt embêtant. Ah, Anubis, on l'avait déjà. Ah non, on l'a pas ici. Et je peux pas encore l'invoquer. Il est 40 et nous, on est 35. Sati. Bon, après, on a fait un peu le tour, hein, je pense. Ah, il y avait Baphomet là. Baphomet le diable. Ah ouais, mais ça me fait perdre Erigo. Ah, c'est embêtant ça, par contre. Ouais, l'aérienne plus. On va se débarrasser de Mokoi quand même. La question, c'est pour récupérer quoi? Ça Sarasvati avec un Orthos. Ah ouais, on va faire Rashisa. Voilà. Alors, ça c'est une bonne question. De quoi tu hérites? Bah, la Gilao et le Maragi, ça me paraît pas mal. Whisper, chance de critique. Ah, ça c'est pas mal en fait, augmente les chances de critique. Mais j'aurais bien aimé avoir le... Bon, on va virer le Gilao, on va prendre les deux mâts. On va prendre le boost chance de critique. Ouais. Je suis Sarasvati. Écoute mon chant qui invoque le pouvoir de ton cœur. Désormais, je resterai à tes côtés. Oh, peut-être pas longtemps, hein. Je vais peut-être t'utiliser comme matière à fusion. Et d'ailleurs, que puis-je avoir avec elle? Yaxini, Sati, OC. On n'a pas le niveau. King Frost. J'ai pas King Frost. Ah mince alors. Shimitama. Ah bah écoutez, je vais faire King Frost déjà. Ouais. Ça sera toujours ça de fait aussi. Alors les compétences, par contre. Oh là là, le choix va être difficile. Regardez les chances de critique. Ça c'est pas mal, mais bon voilà. Ça c'est sympa aussi. Hop. Non. Off. Oh, le Maibai Soudi. Ça, je garde. Non, le Koa, on va pas le garder. Du coup, qu'est-ce que je prends là-dedans? Le choix est difficile, hein, quand même. Ça, c'est pas mal, mais c'est qu'une personne. Ça, on va éviter. Bon, on va prendre un diorama, du coup. Ouais, niveau 5, c'est pas mal. Ah, désolé, je fais un popote. Hein. Ce sera vraiment un épisode où il ne sera pas passé grand-chose en termes de scénario. Mais bon. Au moins, on a débloqué King Frost. C'est plutôt cool. Oui. Alors, je vais peut-être devoir effacer un de ces trucs. Oh non, Stop Glass, je le prends pas. Enfin, c'est bien, mais c'est vraiment très contextuel. Après, il a déjà Boost Gel. Ce qui lui est très bien. Et Boost Critique, c'est bien. Peut-être ça, je peux... Ouais, si, je vais virer ça. Voilà. Ah mince!
Ah, la défense du groupe pendant 3 tours, c'est bien. Allez, tant pis, on va virer Stop Glass. C'est contextuel, hein, ça peut être super Stop Glass, mais bon, ça sert une fois dans le jeu, quoi. Voilà. C'est laquelle? Diarama? Non, non, non. Garde Diarama. Et du coup, moi, j'ai besoin du diable. Parce qu'à la base, on était venu là pour ça. Peut-être que je peux encore fusionner et avoir un diable. Non, Battleur, Battleur. On va virer Take Mikazuchi. Allez, elle est jolie, elle. Et ça aussi, ça va être dur parce qu'elle en a que 3. J'ai l'embarras du choix. Ah, donc c'est une Azigilao Maragi avec un média de base. Ça, on s'en fiche. Ça, à la limite, on s'en fiche. C'est pas mal, mais bon. C'est trop précis tout ça. On va prendre ça et ça. Et j'en ai qu'une là-dessus, bah ce sera le Mazio. Niveau 4 seulement. Ah, ça va être embêtant. Elle va apprendre une ou deux compétences. Je suis Sati. J'attendais ce moment avec impatience. Dorénavant, je demeurerai à tes côtés. Oh, c'est le même texte qu'avant. Ouais. Donc toi, tu apprends Baisugi et le prochain, ce sera un Maragyo. C'est très bien. Alors, est-ce qu'on a encore un petit truc? Ah, j'ai pas envie de supprimer ceux que je viens d'invoquer. Hein. Donc, on va juste récupérer un personnage du diable. Parce qu'on en a besoin là tout de suite. Diable, j'ai pas beaucoup de choix. On va reprendre un Mokoi, même si ça coûte un peu plus cher. Voilà. Allez. Ok, merci. Oh! Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Caractéristique boost point faible. Augmente les dégâts quand le point faible d'un ennemi est frappé. Ah, c'est une nouvelle... Bah non. Non, je crois pas. On a gardé les mêmes théurgies. C'est juste un bonus en plus. Bah écoutez, très bien. Anne voit ses caractéristiques renforcées en fonction du pourcentage de personnel enregistré dans le compendium. Ah, d'accord. Ses caractéristiques spéciales sont des capacités uniques qui s'activent automatiquement au combat. Pour en savoir plus, consultez l'écran d'état. Très bien. Bon, écoutez, on a boosté notre personnage principal un petit peu. Ça fait plaisir. Non, c'est bon, on va partir. J'aurais dû enregistrer mes personnages, mais c'est pas grave. Je pense qu'on y retournera au prochain épisode, parce que de toute façon, on va continuer les social links, et j'ai pas tout ce qu'il faut sur moi. C'est peu probable, en tout cas. Et là, bah écoutez, on va aller parler au gars du diable, Tanaka. Déjà, on 5 avec lui, bah dis donc. Hé, hey, tu es venu apprendre une autre leçon de vie, hein? C'est écrit sur ton visage. Bien sûr, ce sera entièrement gratuit. Ouais. Oui. Quel enthousiasme! Tu as mordu à l'hameçon! Ça a l'air pénible. コート費も会費も自腹だし、向こうで1泊したから宿泊費もかかったし。あんたはまだ青春知らずだから想像もつかないでしょうけど、高校卒業してからの10年はシビアよ。 Oh, il est horrible. アナーキックス氏を伏せたあの子だって。今じゃ私を羨望の眼差しで見上げるわ。会社の経営も軌道に乗ってるし、公私ともに充実してるって感じ。私について来なさいよ。ね。
Le président Tanaka semble s'ouvrir à moi. Je comprends un peu mieux. Et on passe niveau 6. Très bien. Bon, il y a encore du chemin, hein, mais ça progresse. Il n'est pas trop compliqué, lui, à faire. Ah bon? Ouais, c'est ça. C'est une arnaquée, ouais. Ah, ça veut dire qu'il faudra le payer les fois suivantes. Bah, super. Ah, super le lien social. Hein. Et nous, on rentre au dortoir. L'entraînement spécial d'athlétisme continue aujourd'hui. Il est temps de partir. Ouais, c'est vrai, on n'a pas nos matinées. On s'entraîne tous les matins. Issei Gekkoukan, terrain d'entraînement. Nous nous sommes entraînés toute la journée pour le tournoi du 2 août. Ça s'approche, hein? Merci. Et on est déjà le soir. Salut, comment ça s'est passé ta journée? Nos senpai ne sont pas encore revenus. Kirijo a dit qu'elle rentrerait autour de minuit. Il vaudrait mieux éviter Tartarus ce soir. T'inquiète, j'avais pas prévu d'y aller. Maintenant que j'y pense, je devrais pouvoir récolter ce que j'ai planté sur le toit maintenant. Je devrais peut-être aller vérifier. Bon, on va le faire tout de suite, sinon je vais oublier, c'est sûr. C'est sûr et certain. Y'a pas des trucs dans les machines? Non, c'est toujours en rupture de stock au niveau des PC. Allez. On va faire ça tout de suite, ce sera fait. Et voilà, de la tomate saine. Alors on va planter ce qu'on a, hein, tout simplement. Patate de bœuf ou... Amroignon. Allez, on va faire Amroignon. Et ce sera prêt à récolter le 8. Parfait. Hop, on va juste redescendre. Et on va sauvegarder dans le hall pour terminer cet épisode. Bon, ça a pas, on n'a pas beaucoup fait ce que j'avais prévu aujourd'hui. Hein. J'ai mis plus de temps sur les boss qui nous restaient à faire. Mais en même temps, je vous avais prévenu que je les ferais à la fin du dernier épisode. Donc, c'est ce qui est fait. On sauvegardait tout de même. Hop, voilà. Mais écoutez, moi j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Bye.